Ce sont des prises de vue d'une beauté exceptionnelle. Hiver comme été, voici à quoi ressemblent les parois du massif du Mont Blanc. Un privilège pour les pilotes qui volent en montagne et ce jour-là à Villepreux, ils sont deux à partager leur expérience avec l'assistance. L'occasion de rappeler notamment l'hostilité des montagnes une fois la tête dans les nuages. Ne serait-ce que la proximité de la paroi, l'altitude à laquelle vole l'avion, le manque d'oxygène aussi, les instabilités verticales qui peuvent quelquefois, dans certaines situations, s'avérer dangereuses. Donc ça nécessite des précautions avant de rentrer dans les vallées glaciaires. À Villepreux, cette conférence organisée par l'association Audace s'inscrit dans une programmation plus large autour de l'aviation, avec notamment une exposition photo à la mairie et à la médiathèque jusqu'au 24 mai prochain. Ça permet donc à la fois d'être dans le culturel au sens de la culture scientifique, mais aussi d'être dans une continuité par rapport à l'enseignement, à la pédagogie. Donc on voit comment avec des projets comme ça, on rentre complètement dans une boucle qui est informative, plaisir, mais aussi qui est sur quelque chose qui est de l'ordre de l'enseignement, de l'information pour les jeunes, et ça c'est très important pour nous. La médiathèque de Villepreux accueillera une nouvelle conférence en octobre prochain autour du tourisme spatial, une conférence qui s'inscrira cette fois-ci dans le programme de la Semaine de la Science.